Bonjour. Je m'appelle Richard. Je suis votre nouveau prof de mathématiques. Mais vous pouvez m'appeler Richard. Ou comme ma famille m'appelle, Richard. Ou encore pour les intimes. Oui, Richard, on a compris. Exactement. Vous avez été choisi pour faire partie d'une classe test afin de mettre à l'épreuve des nouvelles techniques d'enseignement. Avouez, vous êtes content. Aujourd'hui même, on va essayer ces nouvelles pilules qui stimulent la partie responsable de la mémoire et qui triplent vos facultés à retenir de l'information. C'est formidable! Ben, c'est pas un peu dangereux pour notre santé? Dangereux du tout. Donc, j'en prends moi-même et ça fonctionne à merveille, même que ça a complètement transformé ma vie. Ça prend pas la permission de nos parents? Donc, ce que j'allais dire, vous allez avoir droit à des primeurs, à des secrets du mystérieux monde de l'éducation que personne d'autre ne connaît. Par exemple, aujourd'hui même, on va essayer ces nouvelles vitamines qui stimulent la partie de la mémoire qui retient de l'information et qui triple vos facultés à absorber, assimiler de l'information. C'est formidable. Non, mais parce que vous venez juste de dire ça, là. Vous devriez plus prendre de ces pilules-là. Parlant de pilules, avant que j'oublie, aujourd'hui même, on va essayer des nouvelles pilules qui stimulent la mémoire. Qui en veut? C'est cool! Je sens vraiment que je vais aimer ça, ce cours-là. Ah, c'est sûr que tu vas aimer ça. Plus le cours a l'air plat, plus t'aimes ça. Même pas vrai. T'es la seule qui s'est inscrite au cours de tricot sur l'heure du midi. Hein? Aujourd'hui, je vous annonce officiellement que durant tout le cours, on ne prendra pas de notes. Aucune note! On va faire les choses autrement dans ma classe. Ah non, 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 c'est pas des notes, ça. C'est des recettes de gâteau au chocolat. Au lieu de prendre des notes, je veux favoriser votre écoute et votre participation en classe. Mais non, ça se fait pas. Faut prendre des notes, c'est important de prendre des notes. Je veux prendre des notes, des notes, des notes, des notes. Non, non, non! Merci, Gâteau. Non, 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 non. Mag a raison, là. C'est important qu'elle prenne des notes. Sinon, sur qui je vais copier mes notes? Alors, Mag doit prendre des notes. C'est important qu'elle prenne des notes. Des notes, viens, des notes, viens, des notes! Viens. Merci, Phil. OK, c'est beau, arrête. OK, ça va? Allez, viens. Juste pour la loc. Est-ce que tout le monde m'a remis son pop quiz? Parfait. Quand est-ce qu'on va avoir nos notes? Dans 3 secondes. Wow! Les horoscopes. Les voilà. Belle journée pour les taureaux. Qui est-ce qui est taureau ici? Moi. Bravo, Pierre, 100%. Hé, moi aussi, je suis taureau. 100%, Phil. Hé, 100%. D'habitude, avec 61, je fais une belle journée, imagine 100%. Excusez-moi, j'étais trop concentrée, là, j'ai pas entendu. Il faut lever la main si on est taureau, c'est ça, hein? Parce que moi, je suis taureau. 100%. Oh, 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 là, ça marche pas, là. Vous pouvez pas choisir un signe puis donner une note. Tu as raison. Toi, choisis un signe. Balance. 75% pour les balances. Bon, mais je vais être taureau, moi aussi, d'abord. Ben non, Mag, là. Tu peux pas changer ton signe du zodiaque. L'astrologie, là, c'est pas comme les maths. C'est une science exacte, là. Tu niaises pas avec ça. Mes notes non plus, on niaise pas avec ça. Les notes, c'est un chiffre, là. En maths, on s'en fout des chiffres. Ça change rien, une note. Si c'est juste un chiffre, donnez-moi autre chose que 75 %. OK. Magali, 0 %. Hein? Ben, tu vois, là, je suis le même, là. Je suis le même qu'avant, hein? Tu vois, ça change rien, une note. Non, mais Mag a raison, ça change tout. Mais merci! Parce que maintenant, on peut faire... Ah! T'as 0! 0, 0! Magali, Magali, Magali. Écoute-les pas, là. La prochaine fois, tu vas pouvoir copier sur moi.
Au prochain cours, on va faire un avec la nature. On va laisser la classe de côté pour aller faire le cours dehors, à l'extérieur, au soleil, au gré du vent et à la verdure du gazon. L'air pur va faire le plus grand bien à vos cerveaux en plein apprentissage. Là, on va aller faire le cours dehors, dehors. Oui. Pas en dedans, en dedans. Non. Ouais, mais c'est parce que là, moi, je suis tout mélangé. C'est parce que d'habitude, pour foxer un cours, on va dehors. Là, si on va dehors, le cours est dehors. Hein? Là, d'abord, si on fait l'inverse, pour foxer le cours dehors, faut venir en dedans, en classe. Mais être en classe, c'est pas foxer un cours. Ta logique est implacable. Donc, c'est impossible de foxer ce cours-là? En quelque sorte. Oh, wow. Vous êtes trop fort pour la Ligue. Moi, je suis tout à fait pour ça. En plus, ça va faire changement. Bravo, Magali. Un commentaire positif, j'aime ça. Même que je propose qu'on donne le cours dehors à l'année longue, hiver comme été. Ça serait le rêve de ma vie. T'es malade, l'hiver, on va geler. Je m'en fous. J'aime mieux geler que d'avoir à rester enfermée avec vous autres dans la même classe pendant une heure et quart à sentir ton nouveau parfum puis la laine d'ail de fil. Franchement, t'exagères. Ouais. Ouais, ben, prends mon truc, moi. J'ai plus de problème avec Phil. Je vais aller chez eux, voir sa mère, son père. C'est ça, l'amitié. Oui, je ferais tout pour Phil. C'est un chum. Tout au long de l'année, on va faire des mises en situation pour parfaire nos apprentissages. Pour commencer, tiens, Pierre et Phil, venez ici, s'il vous plaît. Nous allons vous faire la démonstration qu'on apprend plus vite avec des mises en situation. Eux autres, apprendre quelque chose, j'y crois pas. Mise en situation. Phil, tu as une grosse pizza. Okay. Pierre en mange le un quart. Mais ensuite, il a encore faim et mange le un tiers de ta pizza restante. Quelle fraction de pizza te restera-t-il? Mais là, t'es même pas faim. Pourquoi t'as fait ça? Mais non, y a pas de pizza pour vrai. C'est pour l'exemple, là. Mais non, si tu me l'avais demandé, je t'en aurais donné, ça m'aurait fait plaisir. Menteur, tu l'aurais tout gardé pour toi. T'es égoïste, Phil. Wow, la pizza, c'est mon repas préféré, tu sais, ça. Ah ouais, mais voici, je l'aurais tout mangé au complet de la pizza imaginaire. C'est pas ça, t'aurais mangé ma pizza. Messieurs, Phil, y a pas de vraie pizza. Je vous demandais votre participation, mais pas autant que ça. Il a mangé un quart de ma pizza. Puis après ça, il avait encore faim. Monsieur a décidé de manger le un tiers. Ça veut dire qu'il me reste juste la moitié d'une pizza. Bonne réponse. La moitié, c'est pas assez pour moi. Bonne réponse, Phil. C'est une bonne réponse. Maintenant, formez des équipes de deux, mais il n'est pas permis de choisir la personne à côté de vous. Est-ce que je peux être avec Catou? Non, Catou est juste à côté de toi. Ah, physiquement, oui, mais la personnalité, le caractère, mentalement, le style, le look, les chances de réussir dans la vie, ouh, on n'est pas du tout à la même place, tu sais. OK. Ben, Phil puis moi, on veut être ensemble. Oh non, non, c'est vraiment la personne qui te ressemble le plus. Vous êtes pareil, puis vous êtes juste à côté. La personne la plus proche, oui, si je passe par la gauche. Mais si je passe par la droite, il faut que je fasse le tour complet de la planète pour revenir rejoindre Phil. Donc, Phil se retrouve à être la personne la plus éloignée de moi. Phil! Pierre! Je t'entends, mais je te vois pas! Phil! Pierre! 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 Oh, que c'est beau! C'est tellement beau que ça mérite un pop quiz! Magali, deux amis font le tour du monde. Un part vers l'est, l'autre vers l'ouest. Dans combien de temps les deux amis se réuniront-ils? OK, faut calculer la vitesse. Celui qui va vers l'ouest a le vent dans le visage. X à la 2 multiplié par la racine de la distance moins la force du vent. C'est une question piège, Magali. Ce sont deux amis. Dans leur cœur, ils n'ont jamais été séparés. Vous allez voir, cette année, on va faire des...
On n'a pas encore des... Aïe, aïe. Ah, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un... Ah, est-ce que quelqu'un a apporté des flashs allergiques? Oh, ça doit être mon shampoing, c'est aux fleurs de pommier. Ah, sors, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis allergique aux fraises aussi. Ah! C'est ma crème hydratante. Mais je suis désolée, là. Ah, ben, sors, s'il te plaît, sinon. Je pourrais pas donner le cours. Ah! Est-ce que quelqu'un mange un sandwich au beurre de peanut? Allez le jeter, puis revenez vous asseoir sur... C'est parce qu'on peut pas. C'est pas un sandwich. Non, c'est du gel pour les cheveux. Ouais. Sortez, puis revenez la semaine prochaine, s'il vous plaît. Hey. Hey, c'est gentil de t'occuper du surprise à Marianne. Je pense que ça fait plaisir à Pierre. En fait, je suis sûre que ça lui fait super plaisir. Ah oui, tu sais, hein, Pierre, c'est mon meilleur ami, hein. Puis, tu sais, des amis, ben, ça se supporte ensemble, tu sais. Ça se laisse pas tomber quand ça sort avec une fille, tu sais. C'est important qu'on s'occupe de ses amis. Non, mais quand ils ont commencé à sortir ensemble, j'avais peur que tu sois jaloux de Marianne parce que Pierre passe plus de temps avec elle. Ben, en fait, c'est pas compliqué, il passe tout son temps avec elle. Ben oui. Alors, tu sais, si Pierre est heureux, ouais, je suis heureux, hein? Même que Catou pis moi, on pensait que t'avais peut-être un peu trop de temps libre pour toi. Rien, pourquoi tu dis ça? Parce que tu t'es inscrit à des cours de danse folklorique, d'espagnol, de tam-tam, de salsa, de survie en forêt, de scrapbooking, d'équitation et de patinage artistique. Ben oui, mais tu sais... Non, mais de toute façon, tant mieux, là, si tu le prends bien qu'ils sortent ensemble, hein? Mm? Non, mais le patinage artistique, j'ai toujours eu ça dans le sang, moi. Là. Yeah, yeah, yeah. Oui, oui. C'est bon, on continue. Ouais. OK. Ma belle Marianne, pour toi, je t'ai concocté un repas passé date, on sait même plus c'est quoi. La bouffe à chat. Des œufs pourris. Ouh. Ça va être ton plus beau souper de fête que tu auras jamais eu, ta vie. Là, je veux un beau surprise party pour Marianne. Là. On pourrait. Oh oui, je sais. On pourrait mettre une belle banderole à l'entrée marquée Bonne fête, Marianne, avec des guirlandes partout, ses murs, des chapeaux pour tout le monde, des confettis partout. Puis, oh oui, deux chanteurs mexicains, là. Olé, olé! Puis. Non, J'ai pas de budget pour les chanteurs mexicains, mais... Oh oui, je le sais, à la place, vous allez faire vous-même les décorations! Es-tu malade? Toute la dernière fois qu'on a fait des décorations ensemble, on a failli crever un œil à Mac. Ouais, puis j'ai eu de la colle dans les cheveux pendant un mois. Oh oui, je le sais, on va faire un immense gâteau! Mais non, de la farine puis de l'eau, ça fait aussi de la colle dans les cheveux! OK, pas de décoration, pas de cuisine. Là. L'important, c'est l'ambiance dans un party. Oui. Moi, j'ai invité Mathieu, Sylvain, Sophie, Nounou, les frères Godette. C'est ça. Oh, ben cool! Mais ils s'en viennent quand? Ah, ils pouvaient pas venir, finalement. Oh, mais là, il y aura pas personne au party, là! Ben, fais-toi-en pas, Pierre. J'ai demandé à tout mon club de lecture de venir au party. Tadam! Oh, à d'abord, il y a l'ambiance, hein? Hey! Ils connaissent même pas Marianne! Oui, mais il est dans la... Dis-lui que c'est toi, t'es son meilleur ami, il va te pardonner. Non, il me pardonnera jamais ça, oui, François! Il va te pardonner! Hey, hey, hey. Vite, le gâteau de Marianne, dépêchez-vous, elle s'en vient, là. Bon, je gage que tu l'as mangé, là. Oui. Non, pourquoi moi plus qu'un autre? Parce que toi, t'es plus qu'un autre, là. Puis toi, ta job, là, c'était de le surveiller pour pas qu'il mange le gâteau. C'est pas dur, ça! Mais Pierre, c'est sûr que c'est pas fait, il y en a pas autour de la bouche. Chut! Non, 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 non! Mais il est où d'abord, le gâteau? Ah ouais, dis. T'es dessus. Je l'ai un peu échappé, je m'excuse. Mais moi, ma job, c'était juste de surveiller Phil. Mais là, on va faire quoi, votre gâteau? Va falloir qu'on annule, hein? On annule le party! Marianne, elle te le pardonnera jamais. Mais si tu veux, là, je peux aller la voir à ta place pour lui dire que c'est fini entre vous deux, hein? Phil a raison, il faut annuler. Ben oui, on annule. Voilà. Mais non, c'est pas vrai, on va pas annuler à cause d'un gâteau, voyons donc! OK, excusez, là. Je me sens emporté, mais je veux tellement que Marianne ait un beau party, là. Je me reconnais plus. Je me fais penser à toi, Catou. Tu te chies? C'est une super belle soirée!
Ah, Marianne a l'air contente de son surprise, hein? Vraiment contente, tu veux dire? Oh, j'ai jamais eu un chum aussi cool que toi. T'es vraiment le meilleur amoureux du monde. Là, c'est normal. J'ai la meilleure amoureuse du monde, moi aussi. Oh. Mais la seule affaire qui me boxe, c'est que j'ai acheté un cadeau pour sa fête, puis je le trouve plus. Imagine-tu à quel point j'ai de l'air cheap, là? C'est la première fête qu'on fête ensemble, j'ai pas de cadeau. Ah, inquiète-toi pas, Pierre. Marianne, elle te connaît. Elle sait déjà que t'es cheap. Mais faut que je retrouve, là. C'était quoi ton cadeau? Tu sais, la belle camisole carottée là, qu'elle avait au magasin samedi passé. Non, pas la rose carottée. Oh, moi aussi, je la voulais. Oh, t'es donc bien fin. J'espère que tu vas la retrouver. Ben, j'espère aussi parce que. Puis j'ai fait le coup. Oh non! Hey, je viens de me rappeler que Marianne, elle aime pas ça, le rose. Encore moins en camisole. Puis encore moins quand la camisole est vraiment trop grande. Ah! Oh. Ben tant pis, je vais en acheter un autre, puis elle, vu que tu l'aimes, ben, je vais t'en donner. Ah oui, merci, je l'aime bien gros! Tu faisais par là? Non, il y a ça. Hé! Aïe! 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 Ben oui! C'est fun! Allô? Y a quelqu'un là-dedans? Non, mais ça va pas! C'est quoi ton problème avec Marianne? Là, t'es bien chanceux parce que Pierre s'est pas encore aperçu de toutes les niaiseries que t'as faites. Mais quand il va s'en apercevoir, il va être en maudit après toi. Je sais même pas ce qu'il trouve, moi, la petite Marianne. Veux-tu que je te dise la vérité, Phil? T'es jaloux. C'est ça que t'es un jaloux. Jaloux? Jaloux de quoi? De mon chum qui sort avec une fille qui a le quotient intellectuel d'un poteau de téléphone? Peut-être que tu te penses drôle, là, mais sache que t'es juste cave. Ben, je suis peut-être cave, mais moi, au moins, je suis pas une blonde contrôlante qui fait en sorte que mon chum a pas de vie. Pas de vie? Ouais. Au contraire, tu veux dire que grâce à Marianne, il y a enfin une vie, oui? Il y a enfin des discussions avec quelqu'un qui a un quotient intellectuel plus élevé que celui d'une roche. Ben, tu sauras que la roche, là, c'est son meilleur ami. Puis il était là bien avant dans le portrait que cette espèce de nulle de service-là. Cette espèce de nulle de service-là, là, t'es bien mieux de se faire parce qu'elle est là pour rester. Non. OK? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ce que tu penses? Tout le monde est voir ça. Phil pis Catou, là. Je vais vous laisser tout seul, pas personne va venir vous déranger. Mais non, c'est bon. Pas erré. Bon. Je vais. Tu vas à la toilette? Je vais aller là, moi. Je vais aller. Mais voyons. Mais j'ai une. Je descends. Phil, est-ce que je peux avoir un autre verre de jus, s'il te plaît? Là, je comprends pas. Il y a des araignées mortes dans mon verre, puis j'ai trouvé. Un vieux bassal dans les chips. Oh, dégoûtant. Ah, excuse-moi, c'est de ma faute. Yark! Pourquoi t'as mis des bébites dans mon verre? Mais je pensais que c'était le verre de Marianne, mon. Ah, je comprends, là. Arrête de faire des affaires de même, c'est pas fin. Je le sais, là, mais. Tu sais, tantôt, je pense que j'ai pas été assez honnête, là. Je pense que je suis plus jaloux que je le pensais. Oh, ben voyons, mon petit filou, c'est normal. Pierre et toi, vous étiez presque toujours ensemble. Mais là, depuis qu'il est en amour, il est presque toujours avec Marianne. Puis plus jamais avec toi. Ouh. Non, mais je comprends. Là, moi aussi, je le vois moins souvent, puis je m'ennuie. Non, mais c'est ça qui me fâche! C'est normal, là. C'est encore tout nouveau, tout beau pour eux. Hey, mais si toi, t'étais en amour, Pierre serait super content pour toi. T'as raison, là. Je vais essayer de faire attention. Il faut quand même que tu trouves une façon de sortir ta colère, là. Faut pas que tu gardes tout ça en dedans. Ouais, tu marques un point là-dessus. Ah ouais, tu marques un point pourquoi? Ben pour. Ow! T'avais raison, ça fait du bien d'exprimer sa colère. Tu m'as rappelé la main. Ow! Reste un petit peu de colère. OK, les filles, Pierre, puis toi, on va prendre une photo. Ça va te faire un beau souvenir de ton party, ça. Un beau souvenir de mon party. Bon, OK, attendez. Ah, ouais, bon, là. Juste, peut-être. Marianne, juste t'as tassé un petit peu vers là, ouais. C'est ça, ouais. Une petite affaire encore, là. Ouais, c'est ça. Pierre, enlève ton bras, mets ton bras le long de ton corps. Ouais, c'est ça. Le Marianne, tasse-toi un petit peu, encore. Baisse ton bras maintenant. Parfait, OK. On va dire ça. Ça! Hey, bravo! Je regarde même pas la caméra. Mais là, franchement, il y a un gars de 300 livres en face de toi qui a une caméra qui dit qu'il va prendre une photo, puis toi, tu regardes ailleurs. Concentration. Ben, puis moi, je suis même pas dedans. Hein, ah ouais? Hey, faut la reprendre. Je suis pas bon là-dedans, moi. Fait que. Ce serait peut-être mieux que quelqu'un d'autre la prenne, hein, tu sais. Laisse-la. Je vais la prendre, moi. Ouais. Ah,
Un, deux, trois. Ah, là, elle est bonne! Yes, je suis belle! T'es super belle. J'aime ça comment t'es habillée. Merci. Mais avoir su qu'il y avait un party, là, j'aurais mis quelque chose de plus confortable. Mais ça, je suis pas bien. Ben non, ça n'a rien à voir avec ton linge. Admettons que j'allais sur une île déserte, là, puis que je pouvais apporter juste deux choses, là, ben j'amènerais toi, puis une photo de toi. Imagine, là, on pourrait passer nos journées à nager, à se faire bronzer, à chasser dans la jungle. Ah oui, j'imagine tellement bien que j'ai même déjà un peu le mal de mer. Ah oui? Je veux pas te faire paniquer, là, mais je pense qu'il y a une bête sauvage en arrière de nous. Aimerais-tu que je nous construise une hutte sur la plage? Non. Non? Oh. J'aimerais ça que tu la construises dans le haut d'un arbre pour nous protéger des bêtes sauvages. Les amoureux s'en vont, mais les amis restent. Mais qu'est-ce que tu dis, Phil? Hein? Rien, je tousse là. Je toussais. Les amis d'école et l'amoureuse restent. Quoi? C'est quoi, t'as dit? Ah, je tousse. Quand j'ai tapé ton rhume, hein? Hey, t'as quelque chose là? C'est quoi ça? Non, excuse-moi, il faut juste... Excuse, t'as quelque chose? Regarde, t'as quelque chose là? Juste là, t'as quelque chose?